croix gammée, croix celtique, messages d'injures, déclarations nationalistes, sigles de l'OAS. Plusieurs lieux de Toulouse ont été tagués à la bombe noire ce week-end. Parmi eux, la Maison des Diversités et de la Laïcité. Qu'est-ce que tu fous avec ça? T'occupes. Nom de l'Espagne, c'est une poche de résistance contre les franquistes. Et donc au printemps 1937, les franquistes vont décider de supprimer ce fonds de résistance. Franco fait appel à l'Allemagne, à Hitler donc, avec la Légion Condor. Et 50 avions de la Légion Condor vont bombarder la ville pendant 3 heures. L'attaque va commencer vers 16h30 et se terminer vers 19h30. Le bilan, plus de 1800 morts et plus de 800 blessés. Mais Guernica sera en fait, pour Hitler, l'occasion d'utiliser, de tester ses nouvelles armes contre une population civile. Nous travaillons en lien avec l'histoire géo, donc vous n'oubliez pas vos exposés sur la période et puis surtout la visite de vos camarades lauréats du concours de l'année dernière. C'est important, surtout que parmi vous, il y en a qui se présentent au concours. Au revoir. Oh mais t'arrêtes de filmer là. Je fais sur quoi exposer? Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'ai une bonne note ou pas? Ça dépend, tu fais sur quoi? La résistance, la déportation. Je préfère aller me tirer une balle. Mais vas-y, te gêne pas, c'est sur ça que je veux le faire. Et tu veux le faire comment ton truc? J'aurais dû m'en douter. T'as vu? Quoi? Il y a une sortie moisie à Toulouse sur les nazis. Eh ben voilà, on a notre première production là. Cool. Pour l'instant, donc, vous avez commencé à travailler... Je sais qu'on avait travaillé sur la guerre civile en Espagne. D'accord. On avait commencé à faire ça. Dorado sur Glane, d'autres crimes commis par la division dans la région. Les Allemands ont attaqué les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'ils soient quand même maltraités depuis des années comme ça. Ça, je ne vais pas avoir le temps de te l'expliquer là, malheureusement, parce que c'est tellement compliqué. Ça ne va pas commencer par les résistants, ça va commencer par... les étrangers et les juifs. Le régime de Vichy va avoir sa propre politique contre les étrangers, contre les juifs. Souvent d'ailleurs on dit que c'est les mêmes. Comment ça se traduit? Par de la propagande. Une affiche parmi tant d'autres qui fleurissent à l'époque. Vous avez un médecin. Tuberculose, syphilis, cancer sont guérissables. Il faut en finir avec le plus grand des fléaux, le juif. Ça, c'est des affiches de propagande qu'on peut voir. On marche dans la rue, vous avez ça placardé sur les murs. Quand on a été arrêté, on est à la prison militaire qui se trouve pas très loin d'ici. La prison militaire, c'est en face le jardin des plantes. Voilà. Alors, on a dit,
Moi, j'ai dit à mon copain, eh bien, on se tire, on s'évade. Et il me dit, eh oui, mais, et les parents? Alors, le temps qu'on réfléchisse, les Allemands sont ressortis du bureau de tabac, avec un petit sourire, un air de dire, tiens, vous n'êtes pas partis. Parce qu'ils nous avaient prévenus, s'il y en a un qui s'évade, on fusille les autres. Au détour d'un sentier, nous sommes braqués par deux Allemands, avec des fusils, en deux houlpes, les mains en l'air. Et nous sommes pris. Et l'aventure s'arrête là. Mais c'est une autre qui va commencer. Et celle-là, elle va durer 2 ans. On nous amène au poste frontière. Premier interrogatoire. Interrogatoire musclé. Coup de poing, coup de pied. On veut nous faire dire que nous appartenons à un maquis. Et j'ai pris la plus belle dérouillée de ma vie. Il me fait éclater le nez. Il me fait éclater les arcades sourcilières. Il me fend les lèvres. J'ai la bouche en sang. Il me casse 2 dents.